Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salicou. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous allons préparer de délicieux petits moelleux au chocolat avec du chocolat à l'intérieur. Regardez, c'est coulant, c'est super bon. Si ma recette vous séduit, eh bien nous allons la faire tout de suite. Yalla, bismillah. Pour réaliser ces délicieux petits gâteaux au chocolat, vous allez voir, c'est très facile. Donc tout d'abord, vous allez beurrer et fariner un moule comme ceci. Donc c'est pas les plaques à muffins, c'est un peu moins profond. C'est des moules à moelleux. Donc, bismillah, on va mettre dans un récipient deux œufs qu'on va battre avec une pincée de sel. Mon four est à préchauffer à thermostat 6, 180 degrés. Je vais rajouter 3 quarts de verre de farine, de sucre, pardon. Là, si vous aimez plus sucré, vous mettez un peu plus sucré. Ça correspond à 4 cuillères à soupe. Voilà, comme ceci. Avec un sachet de sucre vanillé. On met tout en même temps. Voilà, c'est pas compliqué comme recette. Voilà, un yaourt. Mon yaourt fait 125 grammes normalement. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un yaourt au sucre de canne. Voilà, donc vous mélangez bien. On va rajouter du cacao en poudre. Donc je vais mettre l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe. Ou 2 bien bombées plutôt. Voilà. Je vais mettre de l'huile, un demi-verre d'huile, soit 90 ml pour celles qui n'ont pas le verre. Donc un demi-verre d'huile. Si vous préférez cuisiner au beurre, ben, vous mettez du beurre fondu. On mélange bien. Et on va rajouter la farine. Donc je vais mesurer avec vous parce qu'habituellement je mets au pif. Donc je vais mettre d'abord un verre qui va correspondre à 100 grammes. Puis un deuxième verre. Et puis je compléterai si j'ai besoin. Ça fait 2 verres de farine ou 200 grammes. Vous mélangez bien. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse pour que nos petits moelleux soient bien bien tendres. On va ajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà, comme ceci. Et un peu de zeste d'orange. Donc, prenez comme ceci votre mandoline. De manière à avoir que le zeste et pas de blanc. Voilà. Ça va donner un petit goût avec le chocolat, ça va relever le goût du chocolat, c'est très bon. Donc là, je mélange bien. Et je vais disposer dans le moule. Je vais mettre un carré de chocolat de 10 grammes dans chaque moelleux et je vais enfourner à thermostat 6, 180 degrés, et je vous montre le résultat une fois que c'est cuit. À tout de suite. Donc voilà mes chers amis, le résultat à la sortie du four. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc on va les disposer sur un plat.
encore chaud. Je vais laisser tiédir un petit peu. Regardez, c'est regardez la consistance. Je vais mettre un peu de sucre glace dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, quand vous allez l'ouvrir, ça va donner vraiment voilà, le coulant au chocolat à l'intérieur. Je vais mettre donc un peu de sucre glace. Donc, moi, mon sucre glace, je vous ai déjà dit que je le faisais moi-même. On met comme ça dans une passoire. Hop. Si ma recette vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Et puis, ben, à bientôt dans la cuisine de Sally Cook. J'espère que ma recette vous a plu. À bientôt.